Bismillah ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, lundi 20 juillet 2020, nous allons vous donner, comme d'habitude, un point de la situation épidémiologique de la COVID en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 607 nouveaux cas, 349 patients guéris, 64 patients en soins intensifs et 9 décès. Nous avons enregistré donc 607 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures, soit une incidence de 1,4 cas pour 100 000 habitants au cours des 24 dernières heures, sachant également que 5 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 10 wilayas ont notifié entre 1 et 5 cas et 33 wilayas ont notifié 6 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons encore malheureusement enregistré de nouveaux décès. 9 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients guéris, selon une norme établie, le chiffre est actuellement de 16 400, donc patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, dont 349 sont guéris et ont quitté les établissements hospitaliers au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 64 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous demandons toujours à notre population de rester vigilante, également d'appliquer à la lettre les mesures de prévention globale, les mesures barrières, essentiellement la distanciation sociale dans tout lieu et surtout le port de masque obligatoire en toutes circonstances. Protégez-vous, protégez les autres. Merci de votre attention.